l'emprisonnement de la famille royale au Temple va se dérouler à partir du 13 août 1792. Donc le 10 août, c'est la prise des Tuileries et la chute de la monarchie. Et durant ces trois jours, du 10 au 13 août, on ne va pas savoir quoi faire du roi, de la reine, de sa famille, des quelques serviteurs, des quelques courtisans qui les accompagnent encore. Et ils vont rester dans le sein donc, de la salle du manège où siègent les députés. Et on va réfléchir, qu'est-ce qu'on fait du roi et de sa famille. Donc on va envisager plusieurs options, peut-être les reloger au palais du Luxembourg, les reloger place Vendôme dans l'hôtel du ministre de la Justice et finalement la commune de Paris, donc qui est la commune insurrectionnelle, les sans-culottes qui prennent le contrôle de la municipalité parisienne au moment du 10 août, la commune va proposer de les loger au Temple. Et les députés vont accepter, ils vont les confier aux Parisiens, grosso modo, ils vont penser assez naïvement que en fait, la famille royale va être logée dans le palais du Temple, qui est le palais du frère cadet de Louis XVI, qui est un palais princier absolument somptueux, qui n'était plus habité depuis 1789, mais où ils auraient été tout à fait bien. En fait, ce que la commune de Paris veut, c'est les loger dans le donjon, qui est au fond du jardin, qui est abandonné depuis des années, qui est censé servir en quelque sorte de Bastille royale. C'est une réponse à la Bastille où les rois de France enfermaient de façon arbitraire des sujets. Là, on va enfermer la famille royale dans une prison du même acabit. Donc c'est une captivité très particulière qui commence. La famille royale va y passer des mois et des mois jusqu'à la dernière Marie-Thérèse qui va être libérée seulement en décembre 1795. Donc c'est un enfermement qui dure longtemps, dans une prison très particulière qui est à la fois à part du Paris révolutionnaire, qui est fermée, qui est extrêmement protégée avec des centaines de gardes, de soldats, mais c'est aussi une prison qui va être très ouverte sur le Paris révolutionnaire. Et c'est un peu le challenge de mon livre. L'idée de base, c'est de montrer que le Temple n'est pas un îlot complètement isolé, mais c'est une prison qui va peser sur le poids des événements révolutionnaires, qui va avoir une influence. C'est une prison qui va être une sorte de fantasme pour la Commune de Paris, pour le tribunal révolutionnaire, avec cette obsession terrible du complot que l'on retrouve de manière lancinante durant toute la Révolution. Donc on va avoir une influence du Temple, le procès du roi, le procès de Marie-Antoinette, le procès de la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, la mort de Louis XVII, tout ça, ce sont des événements qui vont marquer la Révolution, qui vont marquer des tournants, de même que, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais la chute des Girondins en mai 1793, c'est un événement qui va également avoir une importance pour le Temple. Et le Temple est un prétexte qui permet à la Montagne de viser les Girondins et ensuite de les envoyer en prison ou à la guillotine. Donc vraiment, le Temple sert de pivot à beaucoup d'événements révolutionnaires. Il est un acteur à part entière du Paris de la Révolution. C'est ça que j'ai voulu montrer, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, il y a également, c'était important de mon point de vue, le rôle, on va dire, diplomatique du Temple. Le Temple, la famille royale y est enfermée, les souverains de l'Europe vont peut-être, auraient dû sans doute, tenter de libérer Louis XVI, d'obtenir sa libération en échange d'une paix contre la France révolutionnaire. Il n'en sera rien, parce que beaucoup de souverains vont penser que c'est bien plus pratique d'avoir une famille royale qui est hors jeu, qui sert un petit peu de prétexte à une guerre qui va devenir extrêmement violente, qui va mobiliser absolument toute l'Europe contre la France révolutionnaire. Donc ils sont enfermés, on ne fait rien pour les libérer, ou presque rien, et ils vont rester là durant des années. Louis XVI va être guillotiné sans que les rois de l'Europe fassent quoi que ce soit pour le sauver, sauf l'Espagne, il faut le reconnaître. Marie-Antoinette va être guillotinée, l'Autriche ne fera rien. Madame Élisabeth va être guillotinée également. Louis XVII va mourir quasiment dans l'indifférence générale. Finalement, ça n'est que quand il y aura la petite dernière, donc Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, elle va servir de caution, enfin on va s'en servir pour un échange d'otages donc entre la République française et l'empereur d'Autriche. Donc finalement, c'est au tout dernier moment que la famille royale va être libérée, alors on aurait pu penser que la famille royale aurait pu faire l'objet de négociations bien plus tôt. Donc là aussi, elle sert un petit peu d'outil diplomatique, d'autant plus, voilà, j'en avais pas parlé, mais c'est aussi important, le comte de Provence, donc le futur Louis XVIII, qui aspire à avoir le pouvoir de son frère. Donc le comte de Provence, ça l'arrange bien finalement que sa famille soit emprisonnée, même dans des conditions atroces, parce que finalement, il garde l'autorité sur les émigrés pour lui tout seul. Et ça facilite d'autant plus sa marche vers le pouvoir jusqu'au moment où, avec la mort de Louis XVII, il va devenir à son tour Louis XVIII, donc roi en exil, mais à ses yeux, roi quand même. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, en résumé,
l'argument de ce livre, on va dire, le projet de ce livre, c'est de montrer que le temple n'était pas une prison fermée, une prison ouverte, qui a eu un rôle sur le Paris révolutionnaire, qui a eu un rôle diplomatique, qui a eu un rôle auprès de l'opinion publique, qui a un fonctionnement extrêmement singulier, très particulier. Ça aussi, j'ai tenu à en parler assez longuement parce que le temple fonctionne de manière conjointe avec la Commune de Paris et la Convention et le ministère de l'Intérieur. Donc chaque institution a son mot à dire sur la gestion de la prison, la garde nationale également. Donc c'est un fonctionnement complexe qui va donner lieu à beaucoup de corruption, à des trafics en tout genre. Donc c'est là aussi quelque chose de passionnant à étudier. C'est aussi un rôle intéressant que cette prison a, qu'elle va permettre à des, pas grand monde, mais à quelques dizaines d'employés du temple, de geôliers, disons-le, qui vont maltraiter la famille royale quand même. Ils vont vivre très bien, ils vont vivre à l'abri de la guillotine, ils vont trafiquer de la nourriture. Donc là aussi, c'est un point intéressant de l'histoire du temple. Naturellement, c'est une histoire qui avait été étudiée assez souvent, mais c'est un projet d'histoire globale. Voilà le rôle diplomatique, le rôle politique, le rôle à l'intérieur, le fonctionnement économique de la prison. Voilà, c'est une sorte de synthèse et c'est aussi, en tout cas je l'espère, une avancée puisque j'ai réussi à découvrir pas mal de documents d'archives inédits qui parlent de cette prison et qui sont absolument passionnants.